Let's go, c'est parti les amis. Ah ouais, on voit les titans au fond. Yarimashita ne. Yotto. いつまでその姿でいるつもりだ。どんな姿でいようと関係ない。これが今の私。あの子はどこ？義経ほど下手じゃないんでね。ゲスだってさ。喉元に刃物でも突き立てた方が効果的だってのに。 知りませんよ。俺の目的は分かってるよな。あの人も心も同じなの。俺はあいつのために存在している。それが答えだ。そう。その目で気に入らない。 大丈夫。ホムラが一人で戦ってるんだ。でも近い。すぐそこだ。 どっちがゲスなんだか。まだその目をするか。どこから来るんだその自信は。一人でも使えるってか。あの力を。私は使わない。あなたにも使わせない。ドライバーなしでよくやりますね。ふん。俺の力を忘れたか。 Ah, non, c'est la vie. Ima no omae ja ore wa taosen zo. Nara ore ga butt taoshite yaru yo. Kozo. Sur bas, normalement, on peut le faire avec Vandamme. Je peux le faire avec Vandamme si je veux. Mais je crois. お前のそれは万有天だよ。知らねえよ。俺は次にやってるだけだ。ダブルスピン。イーグルアーチ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 。イーグル
過ぎた演出なのですが。 何？ブレイド、空間に存在するエーテルエネルギーを武器のクリスタルへと送り込んで力を発生させている。僕たちにはその流れさえも操ることができる。あれはまずいぞ。さあ、武器からどんどんどん力が抜けていく。ダメです、お嬢様に力を送れない。 ご主人、調子がおかしいですもん。お前ら、なんで炎を欲しがるんだ。愚問ですね。天の聖杯の力が欲しいからですよ。真の望み、全ての人間を抹殺するためにね。な、 本当に真が言ったの。人間は全て抹殺するって。今更だ。分かっていたはずだ君には。人間の本当の姿が。若野郎、止まるな。見ただろ、王都。スペルビアに攻め入るための船、武器、兵士。生きるのに精一杯な連中。 滑稽な姿じゃないか。今じゃ世界のどこにもあんなものがうちゃうちゃある。今だけじゃねえぜ。500年前からちっとも変わってねえ。そりゃ親父も見放すさ。はい。いいえ、変わってないのはあなた、父様。 人間の抹殺なんて望んでない。なら俺たちはなぜ存在する。おかしいだろ。俺たちはこいつらを消し去るためにこの世界に降誕したんだからな。はあ、これはやつのブレードからじゃない。まさか。めんどくせえから終わりにする。義経、同感です。 君も。やっこ、貴様、勝ちだよ。やめろ、レックス。今は無理じゃ。レックス。女を殴るのはいい気はしねえな。切り刻んでおいてよく言うよ。 渡さねえぞ。領域外からの攻撃か、バンタムさん。でもね、そんな位置からの豆鉄砲いくら撃ったところで当たりっこしませんよ。そんなことは 100も承知だ。いいか、レックス、ブレードの武器にはな、こういう使い方もある。貴様、まさか先に残ったエネルギーを直接体内に。 エーテルの流れなんかは関係ねえってわけだ。どりゃ。バンタムさん、見ろ。
連れて、さっさと逃げやがれ。そんなことできるわけないだろう。レックさん、死なないんだろう。死ねないんだろう。なぜこんなところにいるんじゃねえ。生きて、生き延びて、楽園に行くんだ。行かせねえよ。終わりだ。いいかレックス、お前の戦を戦え。バンダムさん、やれやれ、とんだ茶番だ。レックス、よくもバンダムさんを、バンダムさんを。ダメ、逃げて。鬱陶しいぞ小僧。こんなところで。レックス、兄貴。こんなところで消し止め。レックス、ものになったからって何だってんだ。バカ野郎、上だ。私はホムラじゃない。私は光。ホムラは私が作り出したもう一つの人格。人格って、よそ見しない。ああ集中して。君が集中してくれないと私から力を渡せない。バカだ。僕の力がまるで役に立たない。あれだけの力を足りねえだ。あいつの力の源はエーテルじゃねえ。エーテルじゃない。その姿いいぜ光、高鳴ってきた。行くわよ。これは因果律予測。因果律、未来に起こる出来事を視覚化してるの。彼らの動きの軌跡、その先を読んで反撃して。わかった。バカだ。あれを避けられるはずか。気をそらすな。続けてくるぞ。血だらけだぞ。明らかが なんなんだこいつらの連携は。これじゃ
しようがない。これが天の聖杯の本当の力だ。懐かしいぜ。待ってたんだよ、この時をずっと。なあ、光！Au fait, Manon, tu as raison. Tu veux toujours discuter, Malos? Je crois pas. Je crois pas qu'il continue à discuter. Non, c'est pas vrai, je pleure pas. Non, il y a pire. Mais putain, arrête. Donc, Kira et Mitra sont la même et unique personne. Je vais répondre à vos questions parce que j'ai tous lu, hein. Ne vous inquiétez pas. Non, non, il y a pire, il y a un moment qui est encore pire. Donc oui, Vandam a fait une attaque suicide pour
parce qu'il voulait que absolument que, on va dire, Torna ne mette pas la main sur Pyrrha. Mais Torna, elle voulait la puissance de Mitra, donc de la puissance de l'Aegis en elle-même. Seulement, c'est pas fini. Donc, c'est pas une Pokéball, Dantès. C'est un cristal cœur. Là, celui-là, c'est un cristal cœur bien spécifique. C'est-à-dire que si je l'utilise, ce cristal cœur, je vais avoir Rock. Donc, c'est pour ça que vous l'avez vu dans ma liste de personnages jouables. Donc pour l'attaque des poitrines des personnages de du Japon, parce que si en fait si là je sors du menu sauvegarder, ça va lancer une autre cinématique, donc je vais prendre le temps de d'expliquer. Il y a eu Pyrrha, mais j'en ai marre que ça se casse la gueule ça. Il y a eu Pyrrha dans le Xenoblade Chronicles X. C'est une gamine de 13 ans sur la version japonaise. Elle avait des boobs énormes. Que là, Pyrrha, en fait, elle est majeure. Elle a 18 ans. Et, donc, elle est majeure. Que ce soit Pyrrha, Mitra, elle a même plus que 18 ans. Elle a 500 et quelques années, quand même. Mais ça avait fait un scandale que sur la version européenne, en fait, ils avaient décidé en fait, de réduire la taille de la poitrine du personnage dans le Chronicle X. Donc, ça a fait un gros... C'est un gros foutu, un bordel. Ils sont super conservateurs sur tout ce qui est taille de poitrine et tout. Salut Zig, comment vas-tu? J'ai pas vu Bambi. Ah non, pas le tombeau des Lucioles. Non, pas le tombeau des Lucioles, s'il vous plaît, parce que c'est un véritable cauchemar. Ce film, je ne peux pas le regarder. C'est juste pas possible. Donc, oui, là, je vais au chapitre 4, mais je suis encore sur le menu sauvegardé, donc. Un peu démute. Ça veut, mais non. Là, c'est. Non. Là. Oh non, c'est bon. Ça me spoil pas. C'est si je sors du menu sauvegardé. Non, mais franchement, l'histoire, oui, elle est peut-être remplie de clichés. Même Alklos vient d'exploser le quatrième mur en disant ah, bah oui, c'est complètement cliché comme histoire. Oui, l'histoire est complètement cliché. Que c'est un jeune héros de moins de 18 ans qui sauve le monde. Oui. Parce que Vandamme est un personnage attachant. Et limite un peu un mini speedrun que je suis en train de vous faire parce que je fais quasiment que les quêtes principales. Enfin, je fais que la quête principale en grande partie. Et du coup, c'est un peu particulier de dire putain, Vandamme, je l'avais avec moi pendant quasiment plus de 10 heures. Mais bah oui, il faut que je l'avoir bientôt. Je vais l'avoir à la prochaine zone, mais il faut. Mais j'ai le temps. Ouais, mais ils l'ont vu. Yorel, il l'a vu, mais il faut. Mais ouais. Ah bah c'est sûr que quand je vais l'avoir, ma waifu, ça va changer. Hein. Mais ce passage-là, il est assez dur émotionnellement quand même, parce que bah Vandamme se sacrifie et pour que Rex s'accomplisse et qu'il puisse fuir pour pas que Pyrrha tombe entre de mauvaises mains. Mais je suis humaine après tout. Non, te mets pas en veille, merci. Non, mais voilà, je suis humaine pour ça, donc non, j'ai pas pleuré devant le Roi Lion. Pourtant, c'est mon Disney préféré. Enfin, c'est mon premier Disney, mais c'est mon Disney préféré, donc. Mais voilà.
prochaine sortie d'un jeu Jap, tu ne verras même plus le personnage, tu ne verras que sa poitrine descendre d'un 1060 de diamètre. Non, le prochain jeu Jap que je prends, c'est Dragon Quest 11. Ça y est, il est préco. Donc, je sais pas si je peux... Non, pas me faire ça. Scar, mon frère, aide-moi. Ouais, non. Et on va éviter que ça se... Bon. Ouais. Donc on va se regarder. Et puis... Attention. Ah mais j'ai pas 40 ans. J'ai pas 40 ans. Oh le coup de vieux que tu viens de me filer. Ah non, mais non. J'ai pas 40 ans. Ah non, j'ai pas 40 ans. Quand vous voulez. Ouais, non, on va faire... Bah oui, mais c'est qu'on m'a demandé... Mais non, c'est pas moi. C'est Ah non. C'est mince. Mais non, c'était pas moi. Puis tu voulais que je réponde comment alors que j'avais les mains pleines de bouffe. J'allais pas taper sur mon clavier avec mes gros doigts dégueulasses, hein. Non, c'était pas moi. Bon bah je lance mon chapitre 4. Ouais, allez, go, chapitre 4.